Bonjour à tous et à toutes d'un océan à l'autre. C'est une belle mosaïque devant cet écran pour ce webinaire, un webinaire qui est consacré à l'intégration et l'épanouissement des personnes réfugiées dans nos communautés, les communautés francophones et acadiennes. Nous sommes réunis ici à l'invitation de la FCFA qui m'a fait l'honneur de me confier l'animation de cette rencontre. Je suis Karine Jinko, je suis coach exécutif et formateur. Je suis aussi journaliste. Je suis basé en principe à Toronto, mais exceptionnellement, je vous parle de Montréal. Pour ceux qui ne me voient pas à l'écran, il y en a certains. Je suis un noir grand, même si devant l'écran, on a tous plus ou moins la même taille. Je porte des dreadlocks, signe distinctif. Il y a maintenant 22 ans, j'ai débarqué au Canada, précisément à Montréal. Comme réfugié en provenance de la Côte d'Ivoire, qui est mon pays d'origine. C'est donc dire que ce webinaire me touche particulièrement. Durant les 2 prochaines heures, eh bien, on va tenter de faire connaître le rôle des fournisseurs de services du PAR. Vous entendrez beaucoup le PAR. Le PAR, c'est le programme d'aide à la réinstallation. On va aussi essayer de comprendre les besoins des réfugiés et les besoins aussi de collaboration pour favoriser l'intégration. Et bien sûr, l'épanouissement des personnes réfugiées. Alors, pour s'assurer que tout le monde puisse suivre, mais aussi participer de façon optimale à la rencontre, on va donner quelques recommandations, hein, quelques suggestions d'ordre technique. Et je vais demander à Emmanuel Morin de le faire. Emmanuel, qui coordonne la promotion et la sensibilisation de l'immigration francophone à la FCFA, qui a travaillé d'ailleurs d'arrache-pied pour réussir cet événement avec les autres collègues de la FCFA. Donc, Emmanuel, à toi la parole. Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que Karim, tu partages ton écran ou tu veux que je le fasse? Alors, si tu peux le faire, Voyons. sinon, je vais y aller. Ok, c'est fait. Mais je pense que vous voyez mes commentaires. Ah. Alors, je vais voir si Problème. il y a plus de chances de mon côté. Parfait, on y arrive. Et deuxième diapositive et en grand, s'il te plaît, merci. Alors tout d'abord, pour régler vos haut-parleurs ou pour vérifier les paramètres de vos haut-parleurs, cliquez sur le bouton Paramètres audio qui se trouve à gauche de votre panneau de navigation Zoom. Si vos haut-parleurs internes ne vous permettent pas d'entendre, vous avez la possibilité d'appeler avec votre téléphone. Pour cela, cliquez sur Passer à l'audio du téléphone pour obtenir le numéro de téléphone de ce webinaire. Alors, pour interagir avec les autres participants et partager des commentaires ou des informations pertinentes, on vous invite à utiliser la fonction du clavardage qui se trouve dans la barre d'outils en bas de votre écran. Cliquez sur l'icône clavardage pour ouvrir la fenêtre et tapez votre message dans la zone de texte en bas de la fenêtre, puis appuyez sur la touche Entrée ou Envoyer. Vos messages seront visibles par tous et toutes les participants et participantes du webinaire. Veuillez donc respecter les règles de courtoisie et d'étiquette en ligne lors de l'utilisation du clavardage. Si tu peux passer la diapo suivante. Donc, pour poser vos questions tout au long de la session, nous vous encourageons à utiliser la fonctionnalité de questions-réponses ou QR. La fonction se trouve dans la barre d'outils en bas de votre écran. Si vous ne voyez pas cette icône, cliquez sur le bouton plus pour afficher toutes les options. Ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'icône QR et une fenêtre va s'ouvrir. Tapez votre question dans la zone de texte prévue à cet effet et cliquez sur Envoyer. Notre animateur et notre équipe liront toutes les questions soumises et les poseront aux intervenants pendant la session. Enfin, si vous avez des problèmes techniques, écrivez-nous dans le clavardage et nous essaierons de vous appuyer à distance. Je vous souhaite une bonne rencontre et je redonne la parole à Karine. Merci, merci beaucoup, Manuel. Alors, notez aussi, hein, il faut le préciser, que nous sommes en présence d'un interprète en langue des signes. Cela fait partie de la démarche de la FCFA qui veut rendre les webinaires le plus accessibles possible à tout le monde. Comme d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis permis de me décrire
au début et aussi qu'on a donné quelques informations techniques pour s'assurer que tout le monde est plus ou moins en compréhension. Alors, ce sont des éléments qui sont essentiels, qui permettent donc de bâtir des communautés francophones et acadiennes complètement inclusives. L'inclusion, c'est un élément essentiel. Parlant d'inclusion et parlant de reconnaissance, le bureau de la FCFA se trouve sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, une nation qui est présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Soulignons en particulier, en lien avec notre thème du jour, que les premiers immigrants arrivés sur ce territoire ont tous été accueillis par les peuples autochtones. Donc, reconnaissons que nous faisons partie d'une longue tradition d'accueil et de partage des savoirs qui permettent de réussir ici. La FCFA reconnaît que les Algonquins sont les gardiens et les défenseurs traditionnels du bassin hydrographique de la rivière des Outaouais et de ses affluents. Nous saluons leur longue tradition d'accueil dont ont bénéficié de nombreuses nations dans ce magnifique territoire et nous nous engageons à défendre et à promouvoir la voix et les valeurs de notre nation hôte. La FCFA reconnaît aussi l'oppression historique exercée sur les territoires, les cultures et les premiers peuples de ce qui est appelé aujourd'hui le Canada. Elle croit ardemment que la reconnaissance et la sensibilisation contribuent au processus de guérison et de décolonisation que nous poursuivons ensemble. Je vous invite à partager dans le clavardage la reconnaissance du territoire sur lequel vous vous trouvez en ce moment. Et ça fera une autre belle mosaïque de reconnaissance de part et d'autre. Alors, on a parlé d'accessibilité. C'est vraiment important. Pour la FCFA, en tout cas, qui fait tout pour que ces webinaires soient le plus accessibles possible, comme le fait de se décrire, de communiquer les informations techniques, je le rappelle. Donc, ensemble, on va bâtir donc des communautés francophones et acadiennes complètement inclusives. Pour aujourd'hui, nous avons préparé aussi un soutien visuel en langue donc des signes du Québec pour les personnes malentendantes ou sourdes et notre reconnaissance donc du territoire. Alors, le déroulé pendant ces 2 heures, on va essayer de comprendre le rôle de quatre fournisseurs de services francophones qui offrent le programme d'aide à la réinstallation, le PAR dont je vous parlais tout à l'heure. De vous présenter aussi les besoins des personnes réfugiées. Et enfin, on va essayer de comprendre les besoins de collaboration pour favoriser l'intégration des réfugiés au sein des communautés francophones, parce que cette intégration va rendre nos communautés encore plus fortes. Donc, pour le premier bloc de ce webinaire, on va entendre des présentations. Il y en aura trois, notamment du programme de réinstallation et de logement de transition de l'accueil francophone au Manitoba, du programme d'aide à la réinstallation du Conseil économique et social d'Ottawa Carleton à Cornwall et de l'association multiculturelle de la région Chaleur à Bathurst. Il y aura aussi une partie consacrée donc à la discussion, aux échanges. Vous pourrez poser des questions, comme on l'a relevé précédemment. Il y aura des témoignages des gens qui sont venus nous rejoindre dans ce pays. Un partage aussi de bonnes pratiques de collaboration avec notamment le Centre de ressources pour nouveaux arrivants du Nord-Ouest, c'est à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, et de l'association multiculturelle de la région Chaleur à Bathurst, au Nouveau-Brunswick. Mais tout de suite, place aux allocutions. On va commencer par la première et ça va être Kimberly Jean-Farens qui est directrice de l'immigration francophone de la FCFA. Kimberly, à toi le micro. Bonjour, merci beaucoup Karim. Bonjour tout le monde. Très, très enchantée de vous rejoindre virtuellement dans cette salle pour mettre de l'avant nos fournisseurs du programme d'aide à la réinstallation, nos fournisseurs francophones. Merci, francophones, anglophones. On est tout le monde autour de la table pour célébrer les efforts qui sont faits en francophonie. Donc, je suis très, très contente. On est fiers de vous réunir tous et toutes, organismes francophones comme anglophones, autour d'un sujet si important que la réinstallation de personnes réfugiées. Les communautés francophones et acadiennes ont la volonté d'agir, d'intégrer et d'inclure les personnes réfugiées francophones ou allophones.
Alors, depuis plus de 20 ans, la FCFA travaille avec les différents acteurs communautaires pour bâtir des communautés plurielles, inclusives et fières de leur diversité. Notre démarche est le fruit d'un travail de longue haleine de l'ensemble des acteurs francophones pour pouvoir appuyer les personnes immigrantes et bien sûr les personnes réfugiées. Alors, je tiens à saluer encore une fois les efforts des quatre fournisseurs de services de réinstallation financés par IRCC offrant le programme d'aide à la réinstallation. Je reconnais également le travail de tous les fournisseurs de services d'établissements francophones qui accueillent et appuient les personnes réfugiées dans leur région. Je reconnais aussi le dévouement des 14 communautés francophones accueillantes qui mettent de l'avant des projets innovants et qui offrent un appui aux personnes réfugiées et à leurs familles. Et j'aimerais bien sûr saluer le travail de nos 13 réseaux en immigration francophone qui structurent, rassemblent et stratégisent l'immigration francophone dans leur région, dans leur province et bien sûr dans les territoires. Votre engagement est vraiment une source d'inspiration pour nous. Le travail de la FCFA, c'est vraiment de créer des ponts entre les différents acteurs et actrices, et c'est pour ça qu'on est vraiment heureux de pouvoir présenter cette session qui, j'espère, vous permettra d'en apprendre plus sur ce qui existe au niveau de la réinstallation francophone et bien sûr vous mobiliser à votre tour pour devenir des partenaires de réinstallation. Alors, je vous souhaite une bonne rencontre et de bons échanges. Merci beaucoup, Kimberly, qui, je rappelle, est directrice de l'immigration francophone de la FCFA. Place et parole maintenant à la directrice de la réinstallation et des interventions en cas de crise à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, Madame Paula Pincombe. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci à la FCFA pour cette gentille invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi. C'est d'autant plus un plaisir pour je suis en mesure de vous faire quelques annonces d'intérêt. En effet, suite au départ à la retraite de Madame Corinne Prince, la direction générale de l'établissement des arrivées massives sera dirigée par une nouvelle directrice générale, Madame Uttara Chauhan. Cette dernière est en poste depuis mardi, et je suis convaincue que vous aurez la chance de la rencontrer sous peu. De plus, j'ai moi-même également le plaisir de me joindre à cette même direction générale et c'est là à titre de directrice de la réinstallation et des interventions en cas de crise et la réinstallation francophone fera partie de mon portfolio. J'ai une longue expérience en matière de politique d'établissement et de réinstallation. Et vous trouverez aussi en moi une francophile convaincue et une alliée intéressée et engagée. La poursuite de la collaboration avec les communautés francophones et les fournisseurs de services francophones, dont nos quatre RAPSPOs francophones, sera l'une de mes priorités. Au cours de la dernière année, c'est avec plaisir que nous avons collaboré avec la FCFA pour la réalisation des webinaires sur des sujets prioritaires pour nous en politique de réinstallation, soit le logement, l'anti-islamophobie et la lutte contre l'homophobie. Il est clair dans mon esprit que l'unique et vibrant engagement civique des francophones permet de créer des milieux d'accueil et de réinstallation souvent personnalisés qui répondent à de nombreux besoins et qui, en bout de ligne, permettent souvent d'établir un lien durable entre le nouvel arrivant et sa nouvelle communauté d'accueil. Ceci est bon pour le client, bon pour les communautés, et IRCC y gagne également.
Nous étions aussi honorés de pouvoir marquer des progrès tangibles en matière de réinstallation francophone lors du dernier symposium annuel sur l'immigration francophone en mars dernier. Nous constatons par ailleurs un intérêt grandissant de la part de nos réseaux en immigration francophone au sujet des réfugiés. Il est clair pour nous que nous construisons actuellement avec vous quelque chose de si significatif et nous comptons bien poursuivre cette collaboration avec l'appui notamment de Jean Viel et son équipe. Je suis impatiente d'entendre les présentations et les témoignages cet après-midi. En bout de ligne, je sais que ce genre d'événement nous aide tous à mieux appuyer les clients réfugiés et à continuer de construire une capacité francophone en matière de réinstallation. Je vous souhaite donc un excellent webinaire et je passe la parole à nos collaborateurs de la FCFA. Merci. Merci beaucoup, Paula Pincombe. Je rappelle que vous êtes directrice de la réinstallation et des interventions en cas de crise à immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Je retiens une chose que vous avez dite, créer des milieux d'accueil personnalisés pour établir des liens durables dans la communauté. Et pour faire ça, on peut compter sur justement un écosystème d'organisations qui travaillent tous les jours justement pour faire avancer ça. On va les entendre d'ailleurs, on va les entendre. Mais avant, on va repasser la parole à Kimberley, qui va nous parler de l'ABC de la réinstallation francophone. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça prend? Quels sont les éléments justement qu'on doit considérer dans cet ABC? Kimberley, à nouveau, la parole. Merci beaucoup, Karim. C'est un plaisir pour moi de vous offrir cet AVC de la réinstallation et de mettre de l'avant nos fournisseurs francophones. Alors, je vais partager mon écran. Très bien. Alors, les données que je vais vous partager aujourd'hui nous proviennent donc d'IRCC. Donc, ces 10 dernières années, 3 110 personnes réfugiées ont été réinstallées. Donc, de personnes réfugiées francophones ont été admises donc entre 2013 et 2022. Et donc, ces 3 110 personnes avaient l'intention de s'établir à l'extérieur du Québec, donc dans nos communautés francophones et acadiennes. Ces personnes réfugiées représentent donc 1,5 % de tous les réfugiés réinstallés hors Québec et 5,2 % de tous les immigrants francophones hors Québec. Au niveau de la répartition est égale entre les hommes et les femmes, donc réfugiés francophones. Et à l'admission, 64 % avaient entre 15 et 44 ans, 22 % étaient des enfants, c'est-à-dire moins de 15 ans, et seulement 14 % avaient 45 ans et plus. Donc, plus de la moitié, c'est-à-dire 59 % des personnes réfugiées francophones, tout groupe d'âge confondu avait un niveau d'études secondaires ou moins à l'admission, et les personnes n'ayant aucune étude constituaient le deuxième groupe le plus important, c'est-à-dire 12 %. Les personnes réfugiées francophones étaient majoritairement des réfugiés pris en charge par le gouvernement, donc c'est-à-dire 54 %, ou des réfugiés parrainés par le secteur privé, 39 %. Et donc, peu étaient des réfugiés désignés par un bureau des visas au titre du programme MIX. Donc, c'était un taux de 7 %. Presque toutes les personnes réfugiées francophones réinstallées hors Québec ces 10 dernières années sont des citoyens de pays africains ou du Moyen-Orient, principalement avec la République démocratique du Congo, avec 53 % et 10 % de la République centrafricaine, 9 % du Burundi et 8 % de la Syrie. La plus grande part des réfugiés francophones hors Québec avait l'intention de s'établir
en Ontario, donc 39%, suivi du Manitoba, 19%, et de l'Alberta avec 15%. Parmi les personnes réfugiées adultes francophones admises hors Québec, donc entre 2013 et 2022, 46% ont accédé à au moins un service d'établissement avant leur arrivée et 94% ont accédé à au moins un service d'établissement au Canada. Les personnes reçoivent différents services qui vous seront présentés donc plus tard lors du webinaire. 73% des personnes réfugiées ont reçu au moins un service en français et 95% ont reçu au moins un service en anglais. Oh, pardon, ma souris a cliqué un peu trop vite. Alors, par rapport aux réfugiés non francophones réinstallés hors Québec, les personnes réfugiées francophones ont de meilleurs résultats économiques. Donc, une incidence plus élevée de revenus d'emploi, un revenu d'emploi plus élevé et une incidence plus faible du revenu d'assistance sociale. Alors, nous avons donc quatre fournisseurs de services francophones offrant le programme d'aide à la réinstallation. Il s'agit donc de l'accueil francophone situé au Manitoba, du Conseil économique et social d'Ottawa-Carleton, situé en Ontario, du Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest, situé au Nouveau-Brunswick, et de l'Association multiculturelle Région Chaleur, située au Nouveau-Brunswick. Maintenant, je vais vous présenter rapidement des outils de promotion que la SCFA a développés en collaboration avec IRCC pour présenter les communautés francophones et acadiennes aux personnes réfugiées francophones, anglophones, allophones, afin que celles-ci puissent être au fait des possibilités de vie en français au Canada, à l'extérieur du Québec. Donc, bien sûr, le Canada offre aux personnes réfugiées la possibilité de bâtir une nouvelle vie grâce à notre travail collectif. On vit dans un pays bilingue, donc on souhaite présenter aux personnes réfugiées le Canada dans son entièreté, avec toutes ses possibilités, incluant bien sûr la vie en français en situation minoritaire. Donc, les communautés francophones, on s'est concerté et on désire vraiment offrir la possibilité d'apprendre les deux langues officielles aux personnes réfugiées, non seulement pour mettre les meilleures chances de leur côté en ce qui a trait à trouver un emploi, mais également la possibilité de contribuer au développement des communautés francophones et acadiennes s'ils choisissent de s'y installer, de s'y épanouir et d'y élever leurs enfants. Donc, ce qu'on désire, c'est vraiment laisser le choix aux personnes réfugiées et en tant que professionnel de l'établissement ou de la réinstallation, ben, c'est vraiment important de leur présenter les différents choix de vie possibles au Canada et d'aller au-delà du référencement. Donc, c'est pour ça qu'on a développé un site web qui est disponible pour le moment en cinq langues, donc en français et en anglais, et également en dari, en ukrainien et en russe. Et on est présentement dans le processus de développer ce site web en arabe. Nous avons également développé en cinq langues une série de vidéos, de courtes vidéos qui sont sur YouTube et qui se partagent facilement sur les réseaux sociaux, encore une fois pour informer les personnes réfugiées des possibilités que leur offrent les communautés francophones et acadiennes. Nous avons également développé une trousse d'outils. Donc, ce sont des outils que les fournisseurs de services francophones comme anglophones peuvent utiliser pour partager les informations de la vie en français, les possibilités des communautés francophones et acadiennes à leurs clients qui sont des personnes réfugiées. Donc, j'aurais beaucoup de choses à dire sur ces outils, sur la réinstallation, mais je vais m'arrêter là et donner la parole à mes collègues. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kimberly, qui nous a fait donc un survol de ce qui est essentiel à savoir sur la réinstallation francophone, pour lesquelles d'ailleurs les organismes jouent un rôle très important. On va en illustrer justement ce que ces organismes font avec Boris Ntamboué, qui est gestionnaire du programme de réinstallation et logement de transition de l'accueil francophone au Manitoba. Boris, c'est à vous que revient le plaisir de nous expliquer ce que vous faites concrètement. Bonjour tout le monde et merci beaucoup de m'avoir accordé la parole.
Alors, je suis ici pour représenter Bintou qui n'a pas pu être présente. Et je vais parler du rôle des organismes pares. Je vais partager mon écran. Une seconde. OK. Ne sais pas si il est en mode plein écran. Encore? Non. C'est beau? Toujours pas. Oh. C'est beau? Non, c'est bon. Oh, OK, Oui, là merci. c'est bon, merci. C'est bon, okay. OK, merci beaucoup. Donc, je vais parler du rôle des organismes pairs. Je ne sais pas comment je m'excuse un peu. Je devrais retrouver ma présentation. Pour passer à la prochaine. Suis diapositive. OK. Voilà. Je m'excuse. Alors, je vais parler du rôle des organismes pairs et dans cela, j'ai voulu parler un peu de quelques quatre points, parlant d'abord de la visibilité des communautés francophones à la situation minoritaire. Comme vous le savez, il y a près de 1 million de francophones du Canada qui ne vivent pas dans la province du Québec et donc sont considérés comme communautés francophones à la situation minoritaire. Alors, les pairs francophones jouent un rôle important dans la reconnaissance de la francophonie au Québec et par son soutien et par sa participation aux efforts de solidarité internationale visant à protéger donc les personnes en situation de détresse. Donc, comme vous le voyez ici, la reconnaissance de l'existence de la francophonie au Québec, pour commencer, ça nous permet de faire connaître à tous les réfugiés qu'il y a une communauté francophone au Québec et ils sont en mesure de vivre là-bas. Et notre rôle aussi, c'est aussi sur la croissance de la visibilité par l'agrandissement de l'espace francophone. Par exemple, selon un rapport, nous avons reçu des Statistiques Canada, donc l'immigration a assuré, par exemple, 88% de la croissance de la population active du Manitoba entre 2014 et 2018. Vous allez comprendre pourquoi ces chiffres sont très, très importants. Parce qu'à travers la réinstallation des réfugiés, plus de 2/3 des nouveaux arrivants francophones au Manitoba sont des réfugiés. Donc, des nouveaux arrivants, je voulais dire, plus de 2/3 des nouveaux arrivants au Manitoba sont des réfugiés. Alors, ça montre à quel point le PAR joue un rôle très important dans la croissance de la visibilité des communautés francophones à situation minoritaire. Et je crois que s'il y a des PAR établis dans plusieurs autres communautés à situation minoritaire, parce que là, il n'y en a que 4, donc ça pourra jouer un grand rôle de cette visibilité dans toutes ces provinces-là. Et nous avons aussi le soutien, la participation aux efforts de solidarité internationale. Donc, nous croyons que les efforts humanitaires ne sont pas seulement pour les anglophones, par exemple. On peut aussi prouver aussi que les francophones sont aussi concernés à apporter leur soutien pour toutes ces personnes en détresse. Donc, nous apportons aussi le soutien non pas seulement aux anglophones, et même à ceux qui ne sont pas anglophones, aux allophones, parce que c'est une aide humanitaire, c'est un soutien humanitaire pour la solidarité en ce qui concerne les personnes en détresse. Je vais passer au prochain point qui est la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire. Et pour montrer aussi que le PAR francophone joue un rôle très important pour maintenir les communautés francophones à situation minoritaire forte et vibrante à travers le programme de réinstallation. Par exemple, nous avons la vitalité démographique qui est indispensable pour la santé des communautés francophones à situation minoritaire. Comme vous le savez, la croissance démographique des francophones ne pourrait pas être garantie par les taux de natalité et donc l'immigration joue un rôle très, très important. Et en cela, nous avons aussi, ce qui s'ensuit, le développement socio-économique. Nous avons vu la création de nouveaux emplois, la rétention de nouveaux arrivants, la participation à la vie sociale
les besoins pour la construction et la rénovation d'écoles. Par exemple, au Manitoba, nous avons vu de nouvelles écoles francophones qui ont été construites. Et même cette année, nous avons une autre nouvelle école francophone qui sera construite. Le gouvernement a annoncé le projet le mois passé. Et nous croyons que tous ces élèves-là qui vont utiliser toutes ces institutions, la majorité proviennent des réfugiés parce qu'ils font plus de deux tiers des immigrants francophones établis au Manitoba. Donc, ce qui fait que la grande portion d'élèves qui vont occuper ces écoles sont des enfants de réfugiés. Et selon les rapports qui ont été publiés aussi, nous avons aussi, dans les dernières années, plus de deux tiers de nouveaux arrivants du Manitoba étaient des réfugiés, comme je l'ai dit. Et ça va montrer à quel point le programme des réinstallations joue un rôle très important dans la vitalité démographique, dans le développement socio-économique et puis dans l'affirmation de cette communauté francophone à travers dans un milieu anglo-dominant. Donc, selon les rapports de la Commission sur l'éducation de la maternelle à la deuxième année, publié en mars 2020, et ça, c'était publié par le Manitoba, selon les données les plus récentes des fonctionnaires du service d'immigration, 61 600 nouveaux arrivants ont été admis au Manitoba entre 2015 et 2018. Les enfants, les jeunes d'âge scolaire âgés de 5 à 18 ans représentent environ 20% de tous les nouveaux arrivants. Et parmi ceux-ci, je vous l'ai dit, plus de 12 000 élèves potentiels, soit environ 20%, sont arrivés au Canada en tant que réfugiés. Donc, ça vous montre un peu ce que cela rapporte dans toute une communauté. Je me rappelle quand je venais d'arriver au Manitoba en 2005, il y avait des écoles qui étaient en train de fermer, des écoles francophones qui étaient en train de fermer. Et là, maintenant, nous sommes en train de voir autre chose, des écoles francophones qui sont en train d'être construites. Et quand on parle de la construction de nouvelles écoles, ça veut dire que nous avons aussi nous avons aussi la création d'emplois. Nous avons les enseignants, nous avons le corps professoral qui devient aussi diversifié, où nous avons aussi des immigrants qui font partie de cette diversité d'enseignants qui donnent cours. Donc, ça donne toute une dynamique dans la communauté. Donc, ça montre à quel point le rôle que peut jouer le PAR dans la réussite de la réinstallation des personnes réfugiées. Alors, je vais aussi parler du renforcement du parcours francophone, du parcours d'intégration francophone, qui est aussi l'un des rôles de PAR, de s'assurer qu'ils ont identifié les ressources francophones disponibles au sein de leur communauté. Et s'assurer que les clients sont aiguillés vers ces ressources francophones, afin qu'ils puissent être servis en français ou aiguillés vers d'autres fournisseurs qui peuvent leur donner des services en français. Soutenir la vitalité du parcours d'intégration francophone, afin qu'elle ne soit pas un parcours le plus complet possible en utilisant tous les services. Évidemment, nous sommes toujours dans cet environnement anglo-dominant, mais où nous avons aussi besoin de nous rassurer que les ressources francophones peuvent survivre, peuvent utiliser la langue française sans aucun problème. Et puis, développer et maintenir des partenariats avec des fournisseurs des services francophones, ce qui fait partie du renforcement du parcours d'intégration francophone. Et tout cela, c'est dans l'optique de voir une communauté francophone, une institution minoritaire forte et vibrante. Un dernier point sur le rôle que joue le PAR francophone, c'est affirmer aussi l'existence d'une communauté francophone, une institution minoritaire. Je veux plus parler de la sensibilisation, surtout auprès des allophones. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons reçu des Syriens, nous avons reçu des Afghans, nous avons reçu des Yazidis, nous avons reçu des personnes provenant de toutes les communautés. Nous avons vu l'intérêt que ces allophones ont manifesté de pouvoir connaître davantage la communauté francophone. Nous avons des Africains qui veulent même apprendre des cours de français. Donc, nous trouvons que c'est une façon de sensibiliser et de montrer que la vie existe au Canada en français. Et du point de vue international, on peut quand même parler de l'existence des communautés francophones et institutions minoritaires à travers le Canada.
et aussi développer l'estime de la communauté francophone en situation minoritaire. Donc, actualiser cette communauté sur le plan de son identité culturelle dans un milieu anglo-dominant où elle apprend plutôt à jouer un rôle important dans la réinstallation des réfugiés, la collaboration et le partenariat avec d'autres fournisseurs anglophones. Et ça va, ça fait montrer vraiment la richesse du bilinguisme au niveau du Canada. Il y a cependant un élément important que je voulais aussi mentionner par rapport à cette affirmation de l'existence d'une communauté francophone en situation minoritaire, c'est que selon l'expérience que j'ai eue toutes ces années passées, je vois que du côté des anglophones, des fois, ils ne comprennent pas cette dynamique, pourquoi ce parcours francophone, pourquoi il y a ceci, il y a cela. Mais je voulais vraiment réitérer que c'est vraiment une responsabilité en vertu de la loi sur les langues officielles et de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, de soutenir la vitalité des communautés de langues officielles en situation minoritaire, de respecter le principe de l'égalité réelle et d'adapter ces services pour répondre aux besoins de la population des langues officielles minoritaires. Donc, ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui s'est fait pour répondre à des lois qui répondent à une population selon ce que la loi a défini. Et nous apprécions toute la collaboration et le partenariat de nos collègues. Je ne voulais pas prendre beaucoup de temps. Je vais laisser à mes collègues d'ajouter à ce point ce qu'ils ont préparé pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci énormément, Boris. Je note que l'accueil des réfugiés est un devoir, mais on ne peut pas souligner l'impact justement dans la vitalité de nos communautés. Je note notamment 88% de la croissance de la population active au Manitoba est assurée par les réfugiés. C'est énorme et c'est important pour une province comme le Manitoba. Alors, pour accompagner au mieux les réfugiés, il faut comprendre leurs besoins. Et pour nous en parler, je vais demander à Philippe Dieudonné, qui est le gestionnaire du programme d'aide à la réinstallation du Conseil économique et social d'Ottawa-Carleton à Cornwall, de prendre la parole. Philippe, on ne vous entend pas. Oui, c'est logique, j'étais en consommation. Alors, bonjour et à tous et à toutes. Nous sommes là aujourd'hui pour vous mettre au parfum des besoins réels des nouveaux arrivants, je dirais, des réfugiés et appuyés ou bien parrainés par le gouvernement. On parle toujours de RPG. Donc, c'est tout un honneur pour moi de représenter ces ordres, qui est le Conseil économique et social d'Ottawa-Carleton, dont je suis le gestionnaire du PAR. Merci une fois de plus de m'inviter à cette table. J'ai une petite présentation pour vous. C'est vraiment en bref, et puis après, on peut discuter. Et dans cette petite présentation, vous pouvez voir, est-ce que ça peut couvrir l'écran, ou bien est-ce que c'est déjà grand assez pour qu'on puisse voir? Je pense oui. C'est bon comme ça. Oui, c'est C'est bon bon. comme ça. OK. Donc, le nouvel arrivant, une fois arrivé dans le pays d'accueil, le pays qui accepte de le réinstaller, et je parle par exemple du Canada qui accueille de réinstaller nos réfugiés parrainés par le gouvernement. Donc, une fois arrivé ici et à Cornwall surtout, nous avons vite compris que on est là pour supporter les PAR existants, pour prendre notre place et puis pour aider ces nouveaux arrivants, ces réfugiés à prendre leur place dans le pays. Merci Boris pour votre présentation. Notre aîné, notre grand frère. Donc, nous sommes très contents de vous écouter avant de commencer à parler aujourd'hui. Donc, si le vieil adage africain veut toute une famille pour élever un enfant, je dirais
qu'il nous faut tout un écosystème très actif et diversifié pour la bonne réussite de la réinstallation, surtout la réinstallation francophone partout au Canada. Donc, nous sommes là pour aider. Le nouvel arrivant, qu'on a, ce, oh, bon, les nouveaux arrivants, les réfugiés qu'on dessert maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on a pu remarquer? On a pu remarquer qu'il y a un besoin énorme en matière d'accompagnement pour la santé. Il y a un besoin énorme au niveau de santé. Beaucoup de clients arrivent avec des traumatismes, beaucoup de clients arrivent avec des maladies à haut risque, beaucoup de clients arrivent aussi avec des problèmes de santé mentale. Donc, il y a un besoin pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir les fournir les services les plus adéquats. Et à Cornwall, il y en a quelques lieux pour les aider, mais si on regarde bien, et beaucoup qui sont malades, nous sommes obligés, ou bien l'hôpital est obligé de les transférer à Ottawa. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il manque encore dans notre écosystème des services. Nous ne sommes pas comme Manitoba, nous sommes nouveaux et le pas n'a que 2020-2023, ça fait 3 ans que nous existons. Nous sommes dans notre 4e année et on a fait des pas. On a un programme qu'on dit, on peut se dire un programme innovateur qu'on essaie de mettre en place, mais il y a beaucoup de défis. Donc, le modèle d'innovation régionale qu'on essaie de proposer pour l'atteinte de nos objectifs, qui est la pérennité de l'immigration francophone dans la région de Cornwall et de ses environs. Donc, le modèle d'innovation régionale qu'on essaie de mettre en place, c'est une implication de toute la communauté. Actuellement, nous avons l'implication réelle du réseau de soutien à l'immigration francophone. Le réseau de l'immigration, de soutien à l'immigration francophone, avec l'appui des organismes, avec l'appui de l'ACFO, a créé une plateforme de besoins pour que les clients puissent rentrer leurs informations, pour que les organismes partenaires puissent aussi aller regarder les besoins réels de ces clients pour pouvoir aider. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a amené en termes d'innovation. Ce qu'on a essayé de faire aussi dans la région de Cornwall, c'est une contribution des anciens RPG dans l'accompagnement des nouveaux. Il y a beaucoup de réfugiés qui sont dans notre base de données qui aident les nouveaux venus. Donc, on appelle ça l'accompagnement par les pairs. J'étais là avant, j'ai eu la chance de connaître ce qui se passe sans me vanter, sans ne pas être recyclé. J'ai dit, OK, j'ai ma place, donc comment je peux aider quelqu'un qui arrive? Mais tout en donnant des bonnes informations et tout en partageant les besoins de ses pairs avec l'équipe de part pour que les informations que ces gens-là vont recevoir, pour que les informations soient à jour. Il y a un accompagnement aussi qui se fait par les pairs dans les déménagements. Nous avons beaucoup de déménagements des clients dans leur maison permanente. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il y a un besoin. Pour que, parce qu'il n'y a pas de compagnie vraiment qui fait ce travail. Donc, c'est grâce à ses pairs que l'on puisse arriver à déménager les clients. La troisième chose qui nous a beaucoup aidé, c'est la relation qu'on a établie avec les fournisseurs de services de proximité. Par exemple, pour les logements, on a un grand défi. Le besoin est énorme. Et c'est partout au Canada. Il y a un besoin au niveau des logements et l'offre
n'est pas adéquate à la demande. La demande est supérieure à l'offre, ce qui fait que les prix des maisons sont très chers. Et puis, les grands fournisseurs, ou bien les grands propriétaires, les grandes compagnies refusent jusqu'à présent d'accepter nos clients. Ils ont refusé, ils pensent que ces gens-là ne seront pas à même de leur payer par rapport aux revenus qu'ils ont. Ils ont même pensé à l'avenir. Qu'est-ce que ces personnes vont faire après une année? Donc, nous avons établi un réseau de petits propriétaires de maisons et jusqu'à présent, c'est eux qui nous aident à loger nos clients. Donc, on va continuer à faire ce travail. On va continuer à frapper la porte des grands propriétaires pour nous aider. Quatrième chose, il y a une implication aussi du LIP de Cornwall et des anglophones de la communauté. Le LIP, avec les organisations qui s'y trouvent, la police, etc., nous accompagne. Et c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus anglophones, mais ce qui est important, c'est que, comme je vous ai dit au préalable, c'est tout l'écosystème, c'est toutes les personnes, les personnalités, les gens de la communauté qui peuvent aider, qui doivent mettre la main à la pâte pour qu'on puisse réussir la réinstallation. Cinquièmement, nous avons une implication des bénévoles et associations de pays d'origine. C'est-à-dire que je suis un Afghan, je suis un Syrien, je suis un Congolais. Donc, les associations existantes dans la région, nous essayons aussi de les faire participer dans ce travail de réinstallation. Donc, on avait établi ça avec le réseau de soutien à l'immigration francophone et nous pouvons dire que ça a donné des fruits et jusqu'à présent, nous arrivons quand même à mettre des gens dans des logements permanents. Bien qu'il y a des défis, nous arrivons quand même à offrir les services que voici. Est-ce qu'on peut passer au deuxième slide, s'il vous plaît? OK. Donc, aujourd'hui, pour répondre à ces besoins, le tableau que je présente, c'est un tableau où est-ce que je reste vraiment à terre. Je reste dans l'immédiat. Parce que notre travail, c'est vraiment d'offrir, de donner à ses clients la possibilité de se réinstaller. Donc, il y a des choses qu'on doit faire avant leur arrivée. Il y a des choses qu'on doit faire pendant qu'ils sont là. Et il y a des choses qu'on doit faire après leur départ du logement temporaire. Donc, avant même leur arrivée, une fois qu'on reçoit les informations du ministère que les gens vont arriver, on commence à mobiliser nos partenaires, mobiliser nos bénévoles, mobiliser la communauté. Et dès la réception du NAT, c'est-à-dire que la réception de la preuve que la personne va vraiment arriver tel ou tel jour, donc on commence à regarder du côté de nos partenaires, la banque, etc., comment on peut déjà prendre des rendez-vous pour nos clients qui arrivent. Donc, je donne ce type d'explication pour vous qui voudraient très prochainement avoir un RAP dans votre région. Donc, je voulais vous dire ce qui vous attend. Donc, une fois qu'on récupère les clients à l'aéroport, et de là, on met en branle tous nos services. Je ne vais pas répéter les services que notre ami Boris a déjà parlé. Donc, c'est à nous de les accompagner, c'est à nous de les aider à avoir les documents immédiats et essentiels, c'est à nous de leur donner un repas pendant qu'ils sont dans le logement temporaire, c'est à nous de payer le logement temporaire et on essaie de le faire de manière à ce qu'il y ait satisfaction. Mais on ne peut y arriver sans l'aiguillage. On ne peut y arriver sans
passer les informations de ses clients à d'autres partenaires de la communauté. Les besoins sont énormes, comme je viens de vous dire, étant donné on a parlé beaucoup plus des besoins réels des clients. Donc, je vais essayer, par exemple, une fois que nous sommes au deuxième ou cinquième jour des clients, on essaie de créer, commencer à créer des liens avec la communauté. On prend les rendez-vous pour la création du compte bancaire. On effectue des démarches auprès de nos partenaires. On les oriente et vers la transportation, par exemple, des sessions d'orientation pour que ces gens puissent comprendre comment est le marché du logement, par exemple. Comment est le et comment moi je peux et faire aller au marché, etc., acheter les produits et services, les différents types de produits. Donc, on descend très bas pour qu'on puisse pouvoir les aider. Donc, au niveau de l'entrevue, on essaye d'aller très loin pour les expliquer comment ils doivent utiliser le budget initial qu'ils ont, comment ils doivent faire. Et quand ils arrivent avec, grâce à nos partenaires, à trouver, par exemple, une possibilité, soit pour un emploi. Donc, comment ils doivent se préparer? On les aiguille vers les services d'employabilité. Et par la suite, étant donné que les clients devraient passer 21 jours avec nous, c'est vraiment pas beaucoup. C'est pourquoi on parle de services immédiats et essentiels. Immédiat et essentiel. Et je peux vous dire qu'il reste beaucoup de besoins que notre communauté immédiat et essentiel, notre communauté de Cornwall, cherche encore à les aider à combler. Et nous sommes dans des rencontres régulièrement pour voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble pour l'atteinte de ces objectifs. Est-ce qu'on peut passer à notre deuxième slide, à troisième slide, s'il vous plaît? Donc, bon, comme vous pouvez constater, donc je peux vous envoyer ça par la suite, mais ce qui est essentiel, c'est que et les clients ou bien les réfugiés, puisqu'ils arrivent avec des traumatismes, je reviens sur l'affaire de santé, puisqu'ils arrivent avec des traumatismes énormes, donc il nous faut beaucoup plus d'implication. Nous cherchons à contacter d'autres partenaires, mais il nous faut beaucoup plus d'implication. Donc, est-ce que j'ai... Bon, je peux passer par exemple à un témoignage. Je pense que j'avais envoyé un témoignage pour les clients qui... On reviendra sur les témoignages en un chapitre qui est consacré à ça. Donc, ne vous inquiétez pas, on les entendra. C'est ça. Je ne voudrais pas avancer plus. Boris a brossé une bonne partie. Je ne fais que donner ce qu'on fait étape par étape. Et puis, je suis là pour répondre à d'autres questions par rapport aux besoins réel des clients. Merci. On ouvrira une partie, une page de questions-réponses. Donc, avant ça, on va passer à un autre interlocuteur. Je remarque, ou du moins je note de votre intervention les besoins qui restent énormes dans la région de Cornwall. Mais je note aussi la solidarité à la fois de la communauté, des anciens réfugiés qui aident justement à la réinstallation de ceux qui nous rejoignent. Et c'est un bel élan de solidarité qui est à saluer. Alors, ça vaut la peine évidemment cet élan de solidarité parce que ces personnes réfugiées ont un impact énorme dans nos communautés. Quel est cet impact? On va passer la parole à Francesco Viglione, qui est directeur général de l'association multiculturelle de la région Chaleur à Bathurst, c'est au Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup, Karim. Bonjour à tous, je suis Francesco, directeur de l'association multiculturelle de Bathurst. Nous sommes un centre d'accueil pour personnes réfugiées depuis 2022. Actuellement, nous accueillons environ 59 personnes par an. Nous accueillons entre des personnes francophones et des personnes allophones.
J'ai réfléchi aujourd'hui vraiment pour essayer de vous donner la meilleure réponse pour la valeur ajoutée d'accueillir des réfugiés dans nos communautés. Pour vraiment trouver la bonne réponse, je réfléchis à l'accueil des réfugiés dans les communautés. Quelle valeur peut apporter tant sur le plan humain que sur un plan économique et que sur un plan social? Si je parle des réfugiés francophones, donc je vais parler du renforcement de la francophonie. Donc accueillir des réfugiés francophones contribue également à renforcer la communauté qui est francophone au Canada, en particulier dans les provinces ou des territoires où le français est parlé. Et cela soutient également la vitalité de la langue et la culture de la francophonie. Je pourrais parler de la diversité culturelle et de l'enrichissement social. Donc pour nous, l'arrivée de ces réfugiés dans une communauté apporte vraiment une diversité culturelle qui peut s'enrichir et qui peut enrichir aussi le tissu local. Cela favorise l'échange interculturel, à la compréhension mutuelle et au respect également des différences. Je pourrais parler comme valeur du respect des valeurs canadiennes. Donc accueillir des réfugiés, c'est vraiment en cohérence avec les valeurs humanitaires et d'inclusion qui sont au cœur de l'identité canadienne. Cela démontre l'engagement du Canada envers la protection des droits fondamentaux et de la protection de la diversité. Je peux parler comme valeur ajoutée d'un dynamisme économique. Les réfugiés, ils peuvent contribuer positivement à l'économie locale. Ils peuvent occuper des emplois vacants, ils peuvent créer des entreprises, ils peuvent stimuler également l'entrepreneuriat. De plus, leur intégration peut engendrer une augmentation de la demande des biens et des services locaux. C'est aussi de la main-d'œuvre, qualifiée ou pas qualifiée. Nous recevons des réfugiés aujourd'hui dans nos centres. Parfois, ils sont ingénieurs dans leur pays. Donc, certains réfugiés peuvent posséder ces compétences professionnelles, éducatives, des compétences artisanales qui peuvent être mises à profit dans nos communautés d'accueil. Comme le disait Boris tantôt, c'est aussi un renouveau démographique. Donc, l'accueil des réfugiés peut aider à compenser aussi le déclin démographique dans certaines régions, pour nous, dans le nord du Nouveau-Brunswick. Et cela peut avoir un impact positif sur la vitalité économique et sociale de notre communauté. Dans une des valeurs que je trouve importante, c'est aussi favoriser la tolérance et la compréhension. En vivant aux côtés de personnes de cultures différentes, les membres de nos communautés ont l'opportunité de développer les compétences interculturelles, d'apprendre et de grandir grâce à cette diversité. Il y a aussi un enrichissement linguistique, car nous recevons des personnes francophones, mais nous recevons aussi des personnes qui parlent le dari, le farsi, le swahili. Donc, on a un gros panel d'enrichissement linguistique. C'est aussi un potentiel d'innovation et de créativité. Donc, la diversité culturelle peut aussi conduire à de nouvelles perspectives d'idées innovantes. On favorise ainsi la créativité et l'innovation au sein de nos communautés. Mais certains d'entre vous, à ce point, peuvent me dire, OK, c'est bien beau ce que tu me racontes, mais ce qui fait la différence avec un réfugié? Pour moi, les valeurs que le réfugié apporte en plus dans nos centres, c'est une réponse à une crise humanitaire qui est bien réelle. Accueillir des réfugiés, c'est une manifestation concrète de solidarité envers ceux qui fuient la persécution, la guerre et également d'autres crises. C'est là pour renforcer la réputation de la communauté en tant que lieu accueillant et bienveillant. C'est aussi un respect, c'est une valeur ajoutée au respect des droits des humains. Chaque individu a les droits fondamentaux à la vie, à la sécurité, à la liberté et à la protection contre la persécution. Donc, accueillir des réfugiés permet de garantir ces droits et de les protéger. Il y a aussi, ici, dans notre région, il y a aussi un gros engagement communautaire. L'accueil des réfugiés renforce le tissu social et encourage l'engagement communautaire. Les citoyens locaux, ici, dans notre région, s'impliquent dans les initiatives pour aider ces nouveaux arrivants qui s'intègrent dans notre nouvelle vie au Canada. Et ça peut créer aussi un sentiment d'unité et de solidarité.
Ici, dans notre région, depuis que nous accueillons des réfugiés depuis 2022, nous constatons chaque jour des personnes qui viennent toquer à notre porte pour savoir comment eux, ils peuvent nous aider, comment eux, ils peuvent apporter, je dis, un sourire à cette personne qui ont fait une situation de détresse. Nous avons des actions locales, nous avons des communautés, nous avons des associations qui nous fournissent des couvertures gratuites, nous avons des associations qui aident dans les transports, nous avons des bénévoles qui accompagnent nos réfugiés à certains rendez-vous médicaux. Et ça, je trouve que c'est vraiment un très beau témoignage d'une valeur humanitaire. Donc, l'accueil des réfugiés démontre vraiment l'engagement vers les droits de l'homme, la compassion, la dignité de chaque individu. Et c'est aussi, pour conclure, c'est vraiment une opportunité pour les réfugiés de reconstruire leur vie. Il ne faut pas oublier que quand les réfugiés arrivent ici, il y en a certains qui ne connaissent même pas où ils sont. Pour eux, c'est la veille qu'ils découvrent, OK, je vais à Bathurst. Moi, je me rappelle, la première famille, moi, j'ai commencé ici à l'association avant d'être directeur. J'étais agent des services d'accueil pour la clientèle réfugiée. Donc, c'est l'agent qui prend en charge les réfugiés à la sortie du programme du PAR. Et je me souviens, quand je commençais dans mon poste, on était parti chercher quelques semaines après 20 personnes réfugiées. Et là, j'essaie de leur expliquer, mais avec une communication assez rudimentale, car nous ne maîtrisions surtout pas notre langue et nous n'avions aucune maîtrise de leur langue. J'essaie de leur expliquer où on était, jusqu'à ce que ma collègue, elle m'a dit, bah, prends une carte du monde, essaie de leur montrer exactement où nous sommes et où ils étaient. Donc, en offrant un refuge sûr et des opportunités d'intégration, ces réfugiés ont la possibilité de reconstruire leur vie et pour moi également de contribuer positivement à leur nouvelle communauté. Sur un plan personnel, et promis, je conclue, en écoutant, en partageant et en les accompagnant tout au long de leur nouvelle installation, je peux vous assurer qu'on réévalue sur un plan humanitaire, on réévalue vraiment nos priorités. Et par rapport à ce que eux, ils ont vécu, je peux vous dire que rester bloqué une heure dans un bouchon, ça peut paraître et ça devient vraiment une chose qui est vraiment banale. Mais tout ça, il passe aussi dans la sensibilisation de la communauté. Nous faisons ici, dans notre association, un travail sans relâche auprès de la communauté, auprès des particulier, on sensibilise vraiment à cette nouvelle, à ces nouveaux arrivants qui intègrent nos communautés. C'est pour ça qu'il est important de noter que pour maximiser ces avantages, il est essentiel de mettre en place des politiques d'intégration et de sensibilisation de la communauté et de fournir un soutien qui est adéquat aux réfugiés lors de la nouvelle installation dans nos communautés. Cela permet vraiment de favoriser également leur autonomie et de renforcer les liens entre les différents membres de notre communauté. Merci à tous. Merci beaucoup Francesco Viglione, qui, je le rappelle, est directeur général de l'association multiculturelle de la région Chaleur à Bathurst. Je note une de vos phrases qui m'a frappé, qui c'est reconstruire sa vie tout en contribuant à l'essor et la vitalité de nos communautés. C'est très important à le souligner. On va ouvrir un chapitre questions-réponses. J'espère que dans le chat, on aura des questions des participants. Nous sommes 49 à participer à ce webinaire qui, je le rappelle, est consacré donc à l'établissement et à l'épanouissement donc des personnes réfugiées donc dans nos communautés francophones et acadiennes. Donc, vous pouvez poser vos questions via le chat, questions et réponses. En attendant, j'espère qu'il y aura beaucoup de questions. Je vais poser la première. Quelles sont la question est ouverte à tout le monde. On a parlé de besoins qui sont énormes. Quels sont, de façon générale, les défis et les limites des programmes qui existent en ce moment? Si je prendrais ici pour Bathurst, un des plus gros défis actuellement, c'est l'accès à la santé. Aujourd'hui, sur toute une région, nous avons trouvé un seul médecin
qui a accepté de recevoir cette nouvelle clientèle. Sachant qu'aujourd'hui, les personnes réfugiées, lorsqu'elles arrivent au Canada, elles sont couvertes au niveau médical, elles sont prises en charge par le gouvernement fédéral. Mais vu que les centres sont pleins et accéder vraiment au niveau de la santé, c'est très difficile, trouver quelqu'un qui a accepté de recevoir ses clients a été un gros défi. Donc moi, je dirais l'accès à la santé et l'accès à un logement. Santé et logement, on sait évidemment, c'est essentiel, d'autant que souvent certaines viennent avec quelques traumatismes et qu'il faut accompagner. Donc, c'est un élément qui est assez notable. D'autres contributions, je vois que Philippe Dieudonné avait laissé des éléments sur le coude, et après, ce sera Boris. Oui, je voudrais dire exactement ce que notre ami vient de dire. Premièrement, Si santé. tu lèves la main. Deuxièmement, logement. Troisièmement, Avec ta main. Dans pour l'ordre. certaines régions, une sorte de manque de préparation de la communauté d'accueil. Donc, tu vas voir, bon, surtout et dans ma région, tu vas voir qu'on va discuter avec les conseillers, les personnalités de la ville de Cornwall par rapport à l'immigration. Mais tu vas voir qu'ils vont vous dire, moi, il y a une sorte de manque de cohésion parce que je vois les gens arriver comme vous. Les gens sont arrivés. Donc, moi, je pense il fallait avoir un effort au niveau fédéral, provincial et municipal avant même l'arrivée des payants pour qu'il y ait des rencontres. Bon, peut-être ça s'est fait, mais moi je parle, il y a un manquement quand même parce qu'il y a certaines personnes qui travaillent à la ville qui ne sont pas au courant, qui ont des responsabilités au niveau sociétal, au niveau communautaire, mais qui voit les clients arriver. Donc, nous sommes en train de faire ce petit travail, nous autres, avec la ville, mais je pense qu'il y a une sorte de réseau de connexion qui doit se faire, de préparation qui doit se faire entre le fédéral, provincial et municipal. Parce que même le problème de santé dont on a parlé, il y a un problème de médecins, c'est vrai, mais si le provincial, qui est responsable de la santé au niveau de sa province, s'il y avait beaucoup plus de rencontres au préalable à l'arrivée des clients, ce serait vraiment bien. Il y a une autre chose, la crise de logement. Il y a certaines villes qui ont quand même des espaces disponibles, mais ça aiderait à l'accueil. Si on prépare, on ne parle pas de ghetto, on ne dit pas qu'il faut préparer un espace spécifiquement pour les nouveaux arrivants, mais il faut avoir beaucoup plus de travail qui se fait au niveau du logement avant même l'arrivée de nos clients. Merci beaucoup, Philippe. Boris avait levé la main. Boris? Oui, merci beaucoup, Karim, de m'avoir accordé la parole. Juste rapidement, je voulais rebondir sur certains points dont a parlé Francesco. Premièrement, je voulais dire que le problème de logement est un problème réel à travers tous les Canada. Il n'est pas particulier à une région. Donc, c'est un problème partout. Évidemment, il faut voir maintenant quelles sont les stratégies et quelles ont été les pratiques prometteuses qui ont été appliquées dans certaines provinces, qu'on puisse en parler un peu, discuter. Mais le problème de logement, il est réel pour tout le monde, pour chaque province, à ce que je sache. Mais je voulais aussi encourager Francesco pour dire que vous êtes dans un début, donc vous devez bâtir aussi les ressources. Pour revenir à la question de la santé, par exemple, nous avons travaillé ensemble avec l'organisme Umbrella Organization, Manso. Nous avons eu des rencontres avec Santé Manitoba. Nous avons discuté de beaucoup de choses par rapport à la santé des réfugiés, aux besoins des réfugiés. Et nous avons pu obtenir des ouvertures au niveau du ministère, au niveau de la province, afin de pouvoir répondre aux besoins spécifiques des réfugiés. Donc, c'est un travail
qui doit être bâti au niveau de la communauté, ça, bâtir toutes ces ressources-là. Et puis aussi, une chose qui a fait le succès au Manitoba, je pense aussi, c'est la participation de la société franco-manitobaine, qui est devenue la société de la francophonie du Manitoba, qui a redéfini même son nom, en fait, d'être beaucoup plus inclusif, mais qui a porté beaucoup de projets. Et je ne sais pas comment ça se passe au niveau de Cornwall, mais je ne sais pas à quel degré est l'implication de la communauté francophone d'accueil ou qui était sur place. Et je pense que si on travaille avec les LIP, avec les RIF, c'est vraiment question de pouvoir renforcer ce parcours-là, afin de s'assurer que les réfugiés puissent recevoir le service dont ils ont besoin. Parce que c'est un travail qui doit être fait par ceux qui sont sur le terrain. Je pense qu'au niveau fédéral, ils pourront appuyer. Mais c'est ceux qui sont sur le terrain, qui connaissent les enjeux sur place, ce sont eux qui pourront vraiment pouvoir appuyer et savoir comment diriger les clients vers la sortie possible des solutions. Merci. On entendra plus spécifiquement Wassila Jérif, Twil et Renaud Ronsero tout à l'heure du Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest Inc. à Edmundston. Mais je crois que vous avez déjà la parole. Est-ce que vous voulez contribuer justement Oui, à l'identification des problèmes? c'était ça. C'était au-delà des problèmes de transport, effectivement. Nous, le gros défi, c'est la langue, parce qu'on a 32 sur 67 depuis qu'on accueille des réfugiés, réfugiés qui sont allophones et principalement la grosse majorité arabophones. Et donc, je vous laisse imaginer la difficulté pour prendre les rendez-vous. On a eu une personne qui a dû se faire opérer. Donc, alors, heureusement qu'on a Wassila. Qui parle différents dialectes, pas que l'arabe, plusieurs dialectes, parce qu'il y a plusieurs dialectes en arabe. Sans elle, je ne sais pas comment on ferait, parce que les applications, par exemple, sur du médical et des choses précises sur des opérations, c'est très, très, j'imagine pas que ça corresponde à la traduction exacte. Voilà, le gros défi, nous, c'est la langue. Et alors, on collabore avec le CCNB pour les cours de langue, mais pendant l'été, le CCNB est fermé. Donc voilà, c'était pour faire part et rajouter un petit peu. J'imagine que d'autres aussi sont confrontés à ce problème-là. Mais ça, c'est un très très gros défi. Je vois que Dieudonné voulait renchérir, mais je vais prendre quelques questions qui sont dans le chat. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à y participer. Posez vos questions, je vais les lire. La première question vient de Jean Viel, qui demande à quel point l'engagement civique fait une différence en appui au travail du PAR. Et il voudrait éventuellement des exemples précis. Qui répond à Jean Viel? Philippe Dieudonné? Bon, c'est ça, donc c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Le modèle qu'on a essayé et qui marche jusqu'à présent, c'est vraiment l'engagement civique. L'engagement civique de la communauté, des organisations qui regardent, par exemple, avec ACFO-SDG et le Conseil des écoles, ils voient qu'il y a un problème au niveau sociétal. Les gens, pour habiller, etc., il y a un problème, ils se mettent ensemble. Ils font la friperie. Et dans la friperie, tu vas voir nos clients qui vont se ressourcer, qui vont trouver des habits, qui vont trouver des choses pour pouvoir subvenir à leurs besoins au niveau d'habits, etc. Il va avoir aussi une implication directe de quelques membres du réseau qui accompagnent même les clients pour des besoins spécifiques. Et tu vas voir les anciens, etc., clients qui sont là dans le processus de déménagement, etc. Si on parle d'engagement civique, on va voir aussi la police qui est présente avec nous, la police communautaire, qui viennent pour des ateliers spécifiques par rapport à droits et responsabilités. Donc, on commence à montrer les nouveaux arrivants. Les aspects de droits et responsabilités qui vont les aider eux-mêmes aussi à avoir ou bien à s'impliquer au niveau civique, social et communautaire. L'engagement civique a beaucoup d'importance et il faut miser là-dessus et il faut continuer à pousser de ce côté pour une meilleure réinstallation de nos réfugiés.
Alors, Dieudonné, on reste avec vous parce qu'il y a une question spécifique qui vous est adressée. Elle vient de Myriam Paphius qui demande: comment faites-vous pour faire participer les associations ethnoculturelles dans le processus d'intégration des personnes réfugiées? Est-ce que vous mettez en place des partenariats formels avec ces associations ou tout simplement vous y allez comme ça? Bon, je peux. Bon, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'organisations de la diversité et qui sont dans la plateforme du réseau, parce que les réseaux, on a mis une plateforme en ligne. Sur cette plateforme, les organisations, qu'ils soient ethnoculturelles, qu'ils soient de la communauté d'accueil ou bien qu'ils soient afro-descendants, s'enregistrent dans cette plateforme. Et à partir de ce moment qu'ils sont là dans la plateforme, ils ont la possibilité de voir aussi le besoin réel du client et d'intervenir. Des fois, ils interviennent directement avec le client. Pas même besoin de passer par le biais des agents de première ligne. Donc, Et il y a ce travail qui se fait. ces associations viennent à vous, vous n'allez pas les chercher, c'est ça? Non, on va vers ces organisations pour des cas spécifiques, mais pour les organisations qui sont déjà dans la base de données, ils savent ce qui se passe, ils voient les informations. Donc, ces organismes voient des informations qui sont dans la plateforme, mais la plupart du temps, tu vas voir nos agents spécifiques aussi, nos agents d'orientation de première ligne, qui vont avoir leur propre réseau, leur créneau. Parce qu'ils viennent chacun d'un pays d'origine différente, d'un pays d'origine différent. Donc, ça leur permet d'être en contact. Par exemple, les Syriens, nous avons un Syrien, donc ils sont en contact avec l'agent qu'on a. Les bénévoles qui sont aussi là, ils sont en contact. Les Congolais, d'eux-mêmes. Et les Afghans, d'eux-mêmes. Il y a un engagement même à être avec eux pour aller visiter les mosques, etc. Ouais. Boris Ntamboué, mais en Oui, je français. voulais ajouter rapidement par rapport à la collaboration avec les communautés ethnoculturelles. Comme vous le savez, il y en a avec lesquelles on travaille de manière formelle, où il y a un partenariat, où il y a un protocole d'accord mis en place. Mais dans la plupart des cas, ils travaillent de manière informelle parce que ce sont des relations. Peut-être à travers l'église ou à travers la religion ou mosquée ou peut-être d'autres affinités. Mais d'une manière générale, dans la base de données d'interprètes et aussi de bénévoles, la communauté ethnoculturelle est très impliquée parce que leur appui est vraiment capital à pouvoir aider ces personnes qui viennent d'arriver à réussir leur intégration. Mais ils ont besoin aussi d'être encadrés parce que des fois la communauté ethnoculturelle peut aussi apporter une dynamique différente de celle de fournisseurs de services par. Alors, il est très important qu'il y ait un dialogue avec la communauté ethnoculturelle. Merci. Merci beaucoup, Boris. Question de Virginie Georges qui demande: quel est le profil des personnes réfugiées qui font appel à vos services? Est-ce que votre clientèle est plus composée de familles, d'hommes seuls, de femmes, de demandes à la tête d'une famille monoparentale? Bref, quel est le profil spécifique de vos clientèles? Question adressée à tous. Peut-être que Kimberly a une vision générale de ces profils. Sinon, qui voudra répondre à Virginie Georges? Ben, je pourrais dire que c'est tout le monde, hein. Le profil, il y a tout le monde. Il y a des personnes célibataires, il y a des couples, il y a des grandes familles, il y a des mères célibataires. Vous avez tout le profil que vous pouvez avoir. Je ne sais pas qu'est-ce que la personne voulait m'avoir comme information par rapport à cette question quand elle demande le profil. Mais je peux laisser Philippe peut-être ajouter. Philippe? Oui, j'ai cru comprendre qu'il demande aussi, ou bien c'est elle, qu'elle Elle, demande Virginie aussi. Georges. Oui, Virginie demande aussi et quel profil qu'on va chercher, ou bien quel profil qui vient à nous. Donc, je dois vous dire, dans le cadre de notre programme, spécifiquement PAR, qui est le programme d'appui à la réinstallation, on ne va pas chercher les clients.
C'est le ministère de l'immigration du Canada qui nous amène les réfugiés. Et une fois que l'immigration nous amène les réfugiés, à 99%, ils ne sont même plus des réfugiés en venant ici. Ils sont des résidents permanents. Une fois qu'ils arrivent au pays, ils étaient réfugiés. C'était des personnes qui avaient des problèmes, etc., et puis qui va être chez un voisin, un pays voisin, etc., rarement dans le même pays, que l'immigration va chercher. Et une fois que l'immigration accepte cette réinstallation, la personne, la majoritairement du cas, est réinstallée ici par le gouvernement qui les amène dans l'endroit spécifié pour cette personne. Donc, Boris a déjà parlé pour type de clients. Il y a tout type de clients. Il y a les clients individuels, il y a les parents, il y a les familles même de 7 personnes, il y a les familles de 8 personnes, il y a des clients individuels. Il y a tout type de clients. Donc, dans les statistiques, si je faisais statistiques maintenant avec vous, j'allais vous dire, OK, j'ai eu X clients individuels, X clients famille, etc. Mais comme ce n'est pas le cas pour aujourd'hui, donc je veux seulement vous dire qu'on accepte tout le monde. On a tout le monde, mais ce n'est pas à nous d'aller les chercher, c'est le gouvernement qui nous les amène. Tout à l'heure, j'ai dit elle pour Virginie, j'ai assumé parce que je ne lui ai pas demandé. Il faut assumer, oui. Oui. J'ai une question pour vous par rapport à la collaboration avec les organisations, les organismes d'aide à l'établissement anglophone. Quel type de relation vous avez avec ces organisations que je présume ont souvent plus de ressources, plus de moyens? Question pour tout le monde. Vous parlez des organisations de part anglophone? Oui. Oui, bon, par exemple, nous autres, quand on a commencé sur le tutelle, bon, pas vraiment tutelle, mais on a commencé avec le Centre catholique pour les immigrants, qui sont plus grands que nous, qui sont là de longue date. Donc, on a travaillé avec eux, ils nous ont donné quelques indications, comment on doit travailler, etc. On continue la collaboration de temps à autre, qu'on a quelque chose qui nous inquiète. On a des questions, on leur pose des questions, on partage aussi ce qu'on fait. Donc, c'est beaucoup plus ça. En tant qu'organisme francophone, je dois vous dire qu'on a déjà accueilli plus de clients allophones, beaucoup plus de clients allophones que francophones et beaucoup plus d'anglophones que francophones. Donc, on accueille tout le monde. On a une équipe vraiment multilingue qui accueille tout le monde, qui travaille avec tout le monde. Donc, oui, on travaille dans la régionalisation de l'immigration francophone, mais le plus souvent, vous travaillez avec ce que l'immigration vous amène. Merci beaucoup, Philippe Dieudonné. Alors, on a parlé beaucoup de personnes réfugiées, mais ce ne sont pas que des statistiques, ce sont des personnes. Et qui de mieux placé que eux pour nous parler d'eux-mêmes, en fait, de ce qu'ils vivent? On va entendre une série donc de témoignages. Si la vidéo est prête, on va aller à la rencontre d'un certain nombre de personnes réfugiées. Bonjour, je me nomme Christopher Ngoubi, je suis résident permanent ici au Canada. Hello, good morning, my name is Marcelo Sosa. I am very happy for I live in Canada. Hello, bonjour, salam alaikum. Moi, je m'appelle Amani Kabereki. Et je suis de la nationalité congolaise. Hello, good morning. My name is Damari Sonda. Your name is Mayra, is my mom. J'étais dans un autre pays de résidence. Mais il y a une grande différence que j'ai vue par rapport à l'hospitalité et à l'accueil. Et à ce que j'ai réussi aussi ici au Canada. Nos ha sido con ayuda de Sixog nos fue muy fácil adaptarnos a un nuevo lugar, a un nuevo país. La experiencia con la escuela de inglés
Since I'm in Canada, I'm feeling as a second house for myself, and I found this country and this people very kind. It is unique culture which helps all the individuals find themselves in the area and feel that they are at home. Sí, estamos contentos de el apoyo que nos han brindado todos. Karima nos han apoyado mucho. En realidad, aprendimos a cómo transportarnos de un lugar a otro. Facilitaron muchas cosas. Verdaderamente, very, very happy for you. J'ai rencontré ici beaucoup des amis et je suis accueilli par ces hôtes. Vraiment, toutes les choses sont bien. Ces hôtes qui me donnent tout. Quand j'ai des difficultés, et même des problèmes de la famille, ces hôtes qui vraiment ils m'aident beaucoup. Il n'y a pas de problème, vraiment, ces hôtes qui. J'ai dit merci vraiment beaucoup pour leur service qu'il fait pour moi. Et je suis bien, vraiment, je suis heureux avec ma famille ici au Canada. I was facing what many difficulties at the beginning. And I thought that when I'm coming to Canada, I would have nobody to support me in terms of my documentation, in terms of my challenges that I'm having. As every people who are entering the new place or new country, they may have their own difficulties and challenges. When I came to Canada, I started my job in my third month, which was like really interesting. And it was unexpected to me. Alors, on vient d'entendre le témoignage de Christopher, Dario, Norsai, Amani, Damaris et Meida, qui partageaient justement leur bonheur de reconstruire leur vie ici aussi, tout en contribuant à nos communautés. On a aussi une personne réfugiée dans la salle qui est avec nous, qui va partager son expérience de son accueil. Clarisse Damaris, qui est à Bathurst. Paris. Allô, bonjour tout le monde. Moi, c'est Damaris Clarisse et ça fait 10 mois que je suis au Canada, particulièrement à Bathurst. J'ai été accueillie par l'association multiculturelle Région Chaleur qui m'a très bien orientée, le logement, le médical, la paperasse, les études pour les enfants. Tout s'est bien passé par rapport aux craintes que j'avais, mais là, et arriver dans un nouveau pays, surtout avec sa famille, lorsqu'on est une famille monoparentale comme la mienne, il y a des défis auxquels on fait face et un nouveau territoire qu'on ne maîtrise pas, des enfants qui posent des questions, tu ne sais pas quoi les répondre parce que tout est nouveau pour tout le monde. Et quand on a des gens qui nous accompagnent, comme l'association multiculturelle, vraiment pour des réfugiés, on ne peut que dire merci. Et je profite de cela pour dire merci au gouvernement canadien qui a mis sur pied ce genre de programme pour redonner un espoir aux gens qui ont perdu le goût de vivre, comme nous autres. Mais grâce à ce programme, on reprend vie et on recroît à la vie, quoi. Et on ne peut qu'encourager ce genre de programme d'aller de l'avant. Et c'est une belle expérience. Et même quand on est déjà là, ils ne nous lâchent pas la main, ils continuent de nous accompagner, de répondre à nos attentes, à nos questions. Et par exemple, moi, avec eux, ils m'ont orienté, me fait voir divers aspects, comment réorganiser ma vie, la vie de mes enfants. Et voilà, aujourd'hui, je suis résidente permanente et je suis déjà dans le monde actif au Canada grâce à l'association qui m'a permis de faire une formation et m'accompagner également pour l'emploi. Et voilà, merci. Et
Dans la semaine prochaine, je fais mon retour aux études, toujours grâce à l'association multiculturelle, grâce à ce programme. Donc, je peux que dire merci et que vous continuez à aller de l'avant pour aider aussi d'autres qui viendront après nous. Merci Clarisse pour ce beau témoignage. J'ai deux petites questions pour Clarisse. Comment vont Oui. les enfants aujourd'hui? Ah, elles sont canadiennes, c'est moi qui suis encore. Oui, elles sont canadiennes, elles vont bien. Tout le temps, il y a la dernière qui aimerait, elle me dit, je veux aussi travailler comme elle connaît le nom de tout le personnel ici à l'association. Je veux travailler comme eux pour aider aussi d'autres personnes parce qu'ils nous ont aidés, parce que bon. Déjà aussi, les enfants qui prennent conscience quand ils voient d'où est-ce qu'on vient et là où on se retrouve avec des personnes qui sont à nos côtés, qui nous accompagnent, qui... C'est comme un père qui tient la main de son enfant lorsqu'il apprend à marcher. Même quand tu vois, il fait ses premiers pas, tu ne le lâches pas, tu le tiens jusqu'au point où tu vois, il peut courir. Donc, c'est la même chose avec l'association, avec des programmes comme vous. Parfois, ce sont les enfants qui nous aident à nous intégrer parce que eux, ça va très, très vite. Oui. À quoi rêvez-vous, Clarisse, pour vous-même, mais aussi pour ces enfants? C'est quoi vos rêves pour la famille? Ah, comme je dis, moi, je leur ai déjà dit, vous avez déjà un bel avenir. On peut que remercier Dieu. Et moi, par exemple, je fais mon retour aux études pour obtenir mon GE2 pour devenir infirmière auxiliaire. Donc voilà. Et les enfants aussi ont déjà fait leur choix de carrière, d'autres qui veulent devenir médecins également, d'autres avocates, d'autres big boss, comme ils disez. Donc, On vous envoie plein de cœurs. Je vois des cœurs qui dans le merci chat. beaucoup. Des questions pour Clarisse ou tout simplement un souhait, une expérience, une recommandation. Ça continue les cœurs. Ben, on du courage, hein. C'était un bon témoignage. Pour ma félicitation. Aussi pour la confiance que tu fais d'abord à l'organisme qui te donne le service, parce que c'était un point très, très important. Il y a cette confiance-là et puis le fait d'accepter d'être guidé, d'être aiguillé, que tu sois aussi un témoignage aussi pour d'autres réfugiés qui pourraient venir après toi, de sensibiliser à travailler avec les ressources qui sont dans la communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, moi, En je tout voudrais cas, juste pardon, Oui. la féliciter parce que tout ça, ça ne se fait pas sans sa volonté. Donc, je la félicite pour ça et je lui souhaite le meilleur voilà, le meilleur au Canada. Tout est devant elle. Merci beaucoup. Ah, on n'a pas le choix, surtout quand on a des enfants. Il faut être leur modèle. Il faut, donc, comme je disais tantôt, on est tous nouveaux arrivants ici et tu as des enfants qui te posent des questions. Tu sais pas quoi leur dire. Et puis, bon. Et il y avait des moments à toute heure, j'appelais parfois à des heures tardives, j'appelais les membres de l'association. J'ai dit, excusez-moi, voilà. Et ils répondaient toujours à mes attentes. Toujours et aux attentes des enfants, et puis c'est formidable. Formidable. En tout cas, les encouragements, y compris dans le chat, je lis celui notamment de Christian Camilleri qui dit bravo à tous pour vos actions. Ce témoignage est un encouragement à continuer et à donner de l'espoir aux réfugiés. Merci à tous. Donc, c'est un message qui est adressé à tout le monde. Il y a Philippe qui dit ah! Philippe qui nous quitte, mais on lui dit bien de choses à Philippe. Alors, la collaboration est essentielle pour les organismes qui travaillent justement à l'établissement et à l'épanouissement des personnes immigrantes. On va entendre là-dessus Renaud Roncero, qui est gestionnaire de programme au Centre des ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest Inc. avec Wassila Chérif. Je ne sais pas si c'est réglé aussi pour Jennifer Pitre qui avait des petits soucis techniques, qui est présidente de l'association multiculturelle de la
région chaleur à Bathurst. Vous avez la parole. Si jamais Jennifer n'est pas là, je peux prendre la parole à sa place. Elle a encore quelques problèmes de connexion. D'accord, ça marche. D'accord, merci. Bah, écoutez, je vais vous partager notre écran. On a un petit PowerPoint qui va... Voilà, c'est bon pour tout le monde. Vous entendez? Oui, c'est bon. Oui, d'accord. Donc, nous, on a fait comme tout le monde. On est allé chercher des collaborations avec tous les acteurs de la communauté locale. On a un petit avantage, c'est que on accueille des réfugiés, mais on est aussi un centre qui travaille sur l'établissement des nouveaux arrivants, les résidents permanents, les travailleurs temporaires, ce qui fait que le passage de relais entre les agents PAR, dont fait partie Wasila, est très facile pour nous, puisqu'on a une réunion à l'arrivée des réfugiés, tous ensemble, justement, pour qu'ils mettent un visage aussi sur les personnes qui vont continuer à les suivre ultérieurement. On a aussi des bons contacts avec les cours de langue du CCNB. J'en ai parlé tout à l'heure. Alors, petit couac, c'est que c'est fermé pendant l'été, donc ça, c'est pas grave. Mais là, les cours vont reprendre en français et en anglais. Parce que l'urgence, c'est pour les allophones, notamment les personnes arabophones, c'est pour trouver un emploi et pour vivre tout simplement. Mais la priorité étant de trouver un emploi pour qu'ils puissent s'assumer, puisqu'on les amène vers l'autonomie. Donc ça se passe très bien. Création d'un réseau de partenaires professionnels pour aider à trouver un emploi. On a été chercher des employeurs. On s'est créé notre propre réseau, parce que justement, sans parler ni anglais ni français, c'est très compliqué. On a comme ça quelques employeurs qui jouent le jeu, et on les en remercie, et qui nous permettent de trouver des emplois assez rapidement. Alors, il n'y a pas beaucoup d'emplois, mais ça suffit pour le moment à assurer le bien-être de quelques familles. On a aussi créé des partenariats, enfin, pas un partenariat, mais c'est un réseau de propriétaires et de gestionnaires de biens à la location. Le logement est très difficile pour tout le monde. Sur Edmonton, c'est particulièrement dur. Là, on arrive, on ne sait pas trop comment on va faire dans les semaines, les jours et les semaines qui arrivent. Mais bon, grâce à ces partenaires, ces collaborations, on arrive à, après la période imposée par l'IRCC où on doit, alors des fois on dépasse, hein, la plupart du temps on a dépassé, mais les délais impartis, mais bon, on arrive à trouver pour le moment encore des logements permanents. On a aussi une collaboration avec le CODAC pour le développement de l'alphabétisme et les compétences sociales. La bibliothèque où il y a des cercles de conversation français-anglais, des ateliers pour enfants. Là va débuter très prochainement un salon de thé pour les femmes. Il y aura 10 ateliers sur l'orientation et le soutien à la vie quotidienne, pardon. Dans ce programme, j'en parle un peu plus bas, mais il y a différentes institutions qui interviennent, la police, les pompiers, le développement social, santé publique. Voilà, il y a le programme aussi Parle-moi pour les enfants d'âge préscolaire, dont l'objectif est l'éveil de l'enfant. Donc, sous couvert de parler, comme ça, de s'exprimer, ça fait travailler la langue, mais c'est aussi ça permet à l'enfant de s'éveiller, de se développer dans son nouveau milieu. Il y a la RADO, qui est une banque alimentaire et vestimentaire, qui donne des colis de nourriture, qui a accepté, bien évidemment, d'offrir des colis alimentaires aux familles de réfugiés. Il y a la Croix-Rouge sur des dons de vêtements. Il y a vraiment une collaboration très très importante. On a un partenariat avec eux. On a des contacts privilégiés avec une entreprise de taxi sur Edmondson. Peut-être il y en a qui ne le savent pas. Pas de transport en commun, donc on est vraiment. Il y a deux entreprises de taxi et heureusement il y en a une dont les chauffeurs parlent arabe. Donc voilà, c'est un contact qui est vraiment très utile, notamment pour les rendez-vous médicaux, les choses comme ça. Ils sont assez justement conscients de tout ça et ils nous aident vraiment. On a aussi comme ça des collaborations avec le Jardin Botanique, le Festival de Jazz ou le Musée Historique qui nous donne régulièrement des billets gratuits pour que justement ces réfugiés aient accès aussi à la culture, aux loisirs. Les sessions d'information de différentes institutions locales, j'en ai parlé, c'est police, pompiers, ça se passe très très bien.
On est en partenariat avec l'Escalma d'Avit, où il y a, ça permet d'avoir accès à des dons de meubles, des colis alimentaires aussi, mais aussi une prise en charge psychologique de certaines situations vécues. Ça aide vraiment. Alors, c'est principalement tourné vers les femmes, mais si des hommes ont également, comme ça, besoin de parler, de voir du monde, la porte est ouverte. Voilà, et puis on a aussi pu récemment créer des contacts avec des entreprises de déménagement, parce que le souci, c'est le passage du logement temporaire au logement permanent. Le centre, nous n'avons qu'une vanne et puis nos petits bras pour aider les déménagements. Alors, quand il n'y a que des valises, ça a été le cas, c'est un peu plus facile. On se débrouille comme ça. Mais une des réussites, c'est qu'on a beaucoup de dons. Les gens de la communauté locale sont très généreux. Alors, on a resserré les dons sur vraiment le basique, les sofas, table de salle à manger et de cuisine, laveuse sécheuse, des choses comme ça, vraiment de première nécessité pour s'installer dans un logement. Mais quand il faut le déménager, voilà. Donc, on a cette collaboration avec deux entreprises de déménagement sur Edmondston. Tout ça se passe plutôt bien. Tout ça fait qu'on est sur quand même beaucoup de succès. Je vous en parle quand même. Sur 91, depuis qu'on accueille des réfugiés, 91 réfugiés, 42 sont restés installés sur la région. 11 ont trouvé un emploi. Il y a beaucoup d'entraide entre les réfugiés. Donc, les anciens donnent des conseils aux autres. On a pu trouver des logements plus rapidement que prévu, mais là, ça commence, je vous le disais, à être compliqué. Donc, on verra, on s'adaptera. Une des belles réussites aussi, c'est les dons communautaires importants pour leur installation en logement. C'est de la literie, la laveuse sécheuse, je vous l'ai dit, des lits bébés, des vélos, équipements ménagers. Il y a eu une efficacité aussi des soins de santé sur certaines situations graves. Il y a eu opération, il y a eu des cas d'opération, il y a eu voilà, les services de santé, les urgences, tout ça, ça fonctionne très bien et on travaille très bien avec eux. Et pour finir, j'ai envie juste de vous dire une phrase d'une première famille de cette personne qui s'est installée sur Edmondson et qui a décidé dès le début d'y rester. C'est Awa. Et Awa nous a dit, nous avons enfin un futur. Voilà. C'est beau et c'est bien dit. Enfin, un futur, et c'est grâce à la collaboration, partenariat de toutes ces structures justement qui travaillent main dans la main. Francesco, Oui, je prends la parole à la place de Jennifer. absolument. Donc, on partage beaucoup ce que nos collègues de Dumonston ont dit. Nous, notre plus beau témoignage, bah, ça a été Clarisse. Clarisse, qu'elle est arrivée au mois de novembre dans notre centre avec ses trois enfants. Juste pour appuyer ce que nos collègues d'Edmonton disaient, cela prend vraiment une implication de la communauté. Aujourd'hui, la collaboration elle est efficace ici entre les parties qui sont impliquées dans la réinstallation de nos réfugiés. Car nous avons différents programmes, nous avons différentes collaborations, qu'à notre appel, ils ont répondu oui, on est là. Par exemple, je peux prendre le programme de la Commission des services de régionaux Manger frais, où chaque mois, ils nous offrent quand même des sacs gratuits à destination de nos réfugiés avec des fruits et des légumes. Également, ils prévoient des transports communautaires avec des bénévoles qui peuvent accompagner nos clients à des rendez-vous médicaux ou à leur épicerie. Mais tout ça passe aussi vraiment à travers de la formation et de la sensibilisation. Donc, nous offrons des sessions de formation et de sensibilisation, que ce soit aux bénévoles, aux employés des agences, que ça peut être également la mairie, notre équipe de réinstallation et aux membres de la communauté, vraiment sur les besoins et les droits des réfugiés, ainsi que leurs procédures d'intégration. Cela est important car quand même, c'est des personnes qui sont protégées. On ne veut surtout pas qu'il y ait quelqu'un qui abuse d'eux. On les suit de près et Clarisse n'a été la preuve. À chaque heure, on répond.
Vraiment, on est là s'il y a une urgence. Après, ce qu'on fait, c'est vraiment une évaluation continue. On met en place vraiment des mécanismes d'évaluation qui est assez régulière pour suivre leur progrès, les résultats de leur réinstallation. Cela permet aussi d'identifier le succès et vraiment les domaines améliorés, car le but, c'est que ces personnes, elles deviennent vraiment autonomes. Elles deviennent vraiment autonomes au bout d'une année qui sont au Canada. On inclut les réfugiés. On essaie vraiment d'organiser ce qu'on appelle des soupers de jumelage pour que d'autres personnes puissent s'intéresser aussi à eux. On encourage vraiment la participation dans les décisions qui leur concernent. On les habilite à prendre en charge aussi ce qui est leur intégration. On a beaucoup de familles qui sont ici, on a beaucoup qui sont partis vers des gros centres, mais la plupart, quand même, ils sont restés ici. Et bientôt, on va être tous tonton et tata d'un nouveau-né qui devrait arriver dans 2, 3 mois, qui fait partie vraiment aussi d'une famille de réfugiés. Donc, on a vraiment un réseau de soutien communautaire. Donc, on favorise vraiment la création de ces réseaux sociaux au sein de la communauté locale pour offrir aux réfugiés, que nous, on appelle nouveaux arrivants. On n'aime pas trop le mot réfugié. Un sentiment d'appartenance, des opportunités pour se connecter avec d'autres personnes de la communauté. Et comme le disait Clarisse, on est adaptable et flexible en même temps. Donc, on est toujours prêt à ajuster les plans et les approches en fonction de leurs besoins et des circonstances qui changent tout le temps. Donc, et on partage, comme Clarisse l'a fait aujourd'hui, leurs réussites et on espère les bonnes pratiques. Donc, en mettant en œuvre toutes ces bonnes pratiques, toutes ces parties prenantes, qui nous aident dans la réinstallation des réfugiés, on peut collaborer de manière efficace pour offrir aux réfugiés les meilleures chances de réussite dans leur nouveau pays d'accueil. Et cela favorise aussi une intégration qui est durable et positive pour tous les acteurs qui sont impliqués. Voilà. Merci beaucoup pour ces présentations de ces collaborations qui, on va le dire, sont innovantes. Mais qu'est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il y a des besoins de collaboration supplémentaires et dans quel domaine en particulier? La question est ouverte. Oui, Renaud? Oui, dans le domaine de la santé, parce que c'est important. C'est assez, ça commence, on commence à voir. Hier, il y avait une réunion avec le service des urgences par rapport aux nouveaux arrivants dans leur globalité. Mais du coup, il y a aussi la problématique des réfugiés qui arrivent avec certaines pathologies. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose à renforcer. Et puis, c'est trouver un moyen d'avoir des interprètes qui ne soient pas nos agents. Parce que nos agents n'ont pas le temps de jouer les interprètes tout le temps. C'est assez compliqué. C'est vraiment de la bonne volonté, mais ce n'est pas son travail. Donc, oui, ce serait d'arriver à avoir un réseau d'interprètes. Je sais que Santé Vitalité, normalement, ont accès à des interprètes. Pour le moment, tout le monde un petit peu se débrouille sur la région d'Edmondston comme il peut. Ouais, ça me paraît vraiment très très important. Les interprètes et le réseau de santé doit y avoir une infrastructure pour accueillir les réfugiés dès les premières semaines de leur arrivée ici au Canada ou au Nouveau-Brunswick, parce que généralement ils viennent avec des pathologies et des maladies. Des fois très très grave. Rester beaucoup d'heures à attendre aux urgences, des fois ça nous prend 10 heures, 8 heures à attendre avec eux, cela ne facilite pas vraiment les choses, ni pour eux, ni pour nous. Ça sera bien d'avoir une infrastructure qui accueille ces réfugiés. Oui, après nous, enfin, sur Edmondston, c'est vraiment complet les collaborations qu'on offre. Il y a vraiment la mairie, enfin, vraiment tous les acteurs de la communauté sont conscients de ce qui se passe.
La chose à développer, par contre, contrairement à Francesco, c'est que nous, des bénévoles, on n'en a pas trop. Donc, on court après. On est en train de. Autant il y a beaucoup, les gens sont généreux dans les dons, autant accepter comme ça d'être bénévole et des jumelages avec. Effectivement, les réfugiés sont plus que les nouveaux arrivants, mais voilà, pour le moment, on court après ça. On est en train de mettre en place des choses. Et on espère que ça, c'est vraiment après la langue, le volet à développer. Donc, donner de son argent, mais donner surtout de son temps, de sa personne pour accompagner. Alors, il y a, en vue du prochain appel à proposition de DRCC, quel conseil vous pouvez donner à des organismes qui seraient intéressés justement à soumettre une proposition à propos, enfin, pour le programme PAR? Est-ce que vous avez des suggestions concrètes? Nous, personnellement, s'il y a des personnes, désolé, c'est pas moi, il y a juste des travaux en dehors de ma fenêtre, donc ça vibre. S'il y a des centres qui sont intéressés à appliquer pour le prochain cycle de financement et qui souhaitent savoir réellement comment ça se passe, une journée type, ils peuvent prendre contact avec nous. Nous serons heureux d'en accueillir quelques-uns pour leur montrer exactement ce que avoir du pair, cela signifie. OK. Voilà. Donc, disposer concrètement à Oui, partager une oui, expérience de oui. succès. Ils peuvent passer ici. Là, j'ai un centre qui m'a déjà approché, qui souhaite s'inscrire sur le prochain cycle de financement. Je leur ai invité ici, ils viendront dans 2 semaines. Donc, ils vont passer 2, 3 jours avec moi sous leur temps perso, mais juste pour savoir exactement comment ça se passe au niveau du PAR. Et je les invite vraiment à faire ça, de prendre vraiment en compte cet aspect-là. Merci beaucoup, Francesco. Quelqu'un veut ajouter autre chose, Boris? Oui, ben, je voulais juste aussi aller dans la même direction que Francesco. Je pense que dans les réunions des FCFA, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si cela a été produit, on en avait discuté quand on s'est rencontrés la fois passée. Je pense qu'il est nécessaire que tous les acteurs au niveau des communautés francophones, la situation minoritaire, qui n'ont pas encore des services par de pouvoir se rencontrer ensemble et de discuter afin de savoir qu'est-ce qu'il faut déjà mettre en place avant de pouvoir faire les demandes, qu'ils comprennent la dynamique et les ressources dont ils ont besoin, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'évaluation de la communauté. IRCC vous demande toujours d'évaluer la communauté en termes de ressources que vous avez sur place. Je ne sais pas si Francesco, vous recevez ça, mais à un moment donné, il se demande toujours une évaluation de la communauté pour voir quelles sont les ressources que vous avez pour pouvoir accueillir des réfugiés, s'il y a des cas, combien de temps ça prend pour les maladies, les besoins en santé, toutes ces choses. Donc, je pense qu'il est nécessaire que ces communautés-là puissent se rencontrer, discuter. C'est un enjeu important pour la vitalité des communautés francophones, la situation minoritaire. Comme nous l'avons dit, en tout cas, on devrait les encourager tous à s'embarquer s'ils le peuvent. S'ils le peuvent. Évidemment, il est aussi nécessaire qu'ils sachent ce que ça prend pour que ça puisse être un succès. Merci. Merci beaucoup, Boris. Ce webinaire touche pratiquement à sa fin. Hein. Au plus fort de la rencontre, nous étions 50, si mes souvenirs sont bons. Donc, rencontre qui se proposait de faire une grosse lucarne sur les personnes réfugiées, notamment les organisations qui les accompagnent pour leur intégration et leur épanouissement. On va aller en conclusion. Je voudrais demander à Kimberley Jean-Farens, qui est directrice de l'immigration francophone de la FCFA, de nous donner un mot de clôture, un mot de fin. Kimberley? Merci beaucoup pour
peut-être mon micro, voilà, c'est un petit peu mieux. Merci beaucoup pour ces échanges super intéressants. J'ai pris plein de notes. Et puis, merci particulièrement pour les témoignages. C'est toujours vraiment intéressant d'avoir la perspective des personnes qui ont reçu directement les services. Donc, c'est très apprécié. Et puis, à la FCFA, on a hâte de pouvoir continuer à appuyer les fournisseurs du programme d'aide à la réinstallation et puis d'organiser d'autres opportunités d'échange et de partage comme aujourd'hui pour que les fournisseurs puissent mettre de l'avant leur expertise, leur innovation et puis pour les autres, bien, d'apprendre à mieux vous connaître et à mieux comprendre le dossier de la réinstallation. Merci à l'équipe de la FCFA pour l'organisation du webinaire et un grand merci à Karim pour ton excellente animation et ta facilité à donner la parole et puis à faciliter l'échange. C'est très, très, très apprécié. Et puis, merci aux participants. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup, Kimberly. Avant de se quitter, il y a un formulaire d'évaluation. Si vous avez aimé le webinaire, c'est le temps de le dire. Mais si vous avez des suggestions aussi constructives pour les prochains, ben, c'est le temps également de le notifier. Il est partagé dans le chat. Je vous donne le temps donc de cliquer sur le formulaire et puis de le remplir. Alors, on espère que vous allez tous justement y participer parce que ça va servir à faire mieux la prochaine fois. Ça a été tout un plaisir pour moi de passer ces 2 heures en votre compagnie. Merci en tout cas à chacun pour la qualité des contributions. Merci pour les partages et puis ben, on se dit à la prochaine. Entre-temps, ben, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos communautés respectives, dans cette grande et noble mission que d'accompagner des personnes qui nous rejoignent pour reconstruire leur vie et de contribuer fortement donc aux communautés. Merci encore une fois de plus et puis n'oubliez surtout pas de cliquer et de remplir le formulaire d'évaluation. À bientôt, au revoir et bonne fin de journée. Merci. Merci.